Paix et joie à toi, bien-aimé de Dieu. Paix et joie à toi, porteur de grâce. Nous sommes encore réunis en ce matin dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toujours en unisson de cœur et d'esprit avec nos anges gardiens, avec tous les saints et les saintes du ciel. En ce matin encore, privilège de pouvoir nous tenir debout, de pouvoir respirer, de pouvoir encore vaquer à toutes nos occupations. Mais en ce matin, l'Éternel Dieu des armées vient nous parler d'amour. Il vient en ce matin combler ton cœur et ton âme de son amour. Et en ce matin, il te dit ceci: peu importe ce que tu veux faire, peu importe ce que tu veux toucher, il te faut de l'amour. Viens puiser de mon amour à moi, le véritable amour qu'il est, Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce matin, il nous dit ceci aussi, au travers de sa parole, dans le livre de Colossiens, où il nous parle de sagesse, où il nous parle d'intelligence, où il nous parle de foi, où il nous parle de conduite, où il nous parle également d'amour. Tout simplement pour te dire ceci, bien-aimé, Dieu est rempli de sagesse, rempli d'intelligence, rempli d'amour et plein de bonnes choses. Mais en ce matin, il te dit ceci au travers de sa parole. Tu cries à moi pour que je te donne de la sagesse. Tu cries à moi pour que je te donne de l'intelligence. Tu cries à moi en me disant, Éternel, j'ai la foi. Mais dans ton cœur, y a-t-il de l'amour? Dans ton cœur, y a-t-il de l'amour pour la sagesse que tu demandes? Dans ton cœur, y a-t-il de l'amour pour l'intelligence que tu demandes? Y a-t-il de l'amour quand tu veux corriger le prochain? Y a-t-il de l'amour quand tu me parles de foi aux choses de mon royaume, aux choses du ciel? Y a-t-il de l'amour dans ta conduite, dans les actes que tu poses? Tout simplement pour te dire, bien-aimé, que même dans la sagesse de Dieu, nous avons besoin d'amour. Dans l'intelligence que nous demandons à Dieu, nous avons besoin d'amour. Dans tout ce que nous posons comme acte, que ce soit de par nos pensées, nous avons besoin d'amour. Mais où irions-nous si ce n'est pas à notre Seigneur lui-même? Aller puiser de son amour à lui. L'amour qui est vrai, l'amour qui ne triche pas. Cet amour-là qu'on ne peut pas comparer à l'amour du prochain, c'est-à-dire l'amour qu'un homme peut-être donnera. Mais le véritable amour qui ne triche pas, qui ne condamne pas, qui ne juge pas, qui ne méprise pas. L'amour divin, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en ce matin, il t'invite tout simplement à t'abandonner dans cet élan d'amour, dans cet élan de sa présence à lui, pour tout simplement te laisser remplir de son amour. Te laisser remplir dans son amour. Et en ce matin, je t'invite à dire tout simplement cela. Seigneur, je veux tout simplement être dans tes bras d'amour. Je veux être enivré de ton amour. Que mon cœur soit enivré de ton amour. Que mon âme, mes pensées soient enivrées de ton amour. Je ne veux pas l'amour d'une autre personne, mais ton amour à toi qui saura combler le vide que j'ai en moi. Ce vide-là que tu vas venir combler de ton amour et que je puisse encore prendre de cet amour-là pour le donner autour de moi. Mais je ne puis donner un amour si au fond de moi, je suis vide. Si je suis vide et que je suis rempli de toutes ces choses de ce monde qui m'empêche véritablement d'être avec toi. Alors Seigneur, viens me remplir de ton amour. Je veux chanter un chant d'amour.
mon sauveur. Pour toi, Jésus, je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi, Jésus, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi. Contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Oui, Seigneur, je veux être dans tes bras d'amour. Je veux rester tout près de toi, contre ton cœur, à toi, Seigneur. Je veux être rempli de toi, mais davantage rempli de ton amour. Je veux pouvoir aimer comme toi. Je veux pouvoir cultiver ta sagesse, mais avec amour également pour le prochain. Je veux me conduire avec amour. Seigneur, j'ai besoin que mes actes soient remplis d'amour. J'ai besoin de parler avec amour. J'ai besoin de pouvoir te chanter avec amour. J'ai besoin d'œuvrer dans ta maison, mais avec amour. Je veux marcher dans tes sentiers à toi, mais avec amour. Je veux pouvoir cheminer avec le prochain, mais dans l'amour. Alors, éternel Dieu, nous te prions ce matin de venir encore combler nos cœurs, combler nos âmes, combler nos pensées de ton amour. Nous avons besoin d'être remplis de toi. Nous avons besoin d'être enivrés de ton amour à toi. Alors Seigneur, c'est cette prière-là que nous faisons monter en ce matin. Alors qu'il te plaise, Seigneur, de ton trône, de là où tu es, que tu viennes encore faire du bien à nos âmes. Nous te prions et nous t'en supplions. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Alors, bien-aimé de Dieu, dans cet élan
d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses encore te laisser aller dans cette mouvance-là pour véritablement être rempli, que tu sois débordant de l'amour de Jésus-Christ, le vrai qui ne ment pas. Et je te souhaite de passer une sainte et excellente journée dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.